Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soit Cool au Mike, et dans cette vidéo je vais vous aider à réaliser le défi qui va vous demander d'infliger des dégâts à un adversaire avant de subir des dégâts dans plusieurs parties. Donc pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille c'est de sauter dans la plus grosse ville qui est à votre rencontre dès que vous sautez du bus, donc la première ville la plus proche de vous quand vous sautez du bus. Ensuite vous cherchez une arme le plus rapidement possible, donc voilà j'ai trouvé une arme. Et là ce que vous allez devoir faire c'est d'infliger des dégâts à un adversaire sans subir de dégâts. Donc très important, ne subissez pas de dégâts de chute parce que sinon ça ne validera pas votre défi. Et ne subissez pas de dégâts d'autres joueurs ou n'importe quelle autre façon. Il faut absolument que vous ne subissez aucun dégât avant d'infliger des dégâts à un adversaire. Donc là regardez, hop. Voilà, là j'ai pas subi de dégâts, vous voyez bien que je suis toujours à 100% de vie, donc je pense qu'il m'a quand même touché mon bouclier, mais voilà, je l'ai touché, ouais, il m'a foutu un coup de pioche, mais je l'ai touché avant qu'il me fasse des dégâts, donc ça veut dire que j'ai réussi le défi. Alors ça c'est une solution, soit ça c'est la première solution que je vous propose, c'est d'aller directement à l'Asilec, enfin aller dans la première ville que vous voyez en sautant du bus pour trouver un adversaire le plus rapidement possible. Ou sinon il y a une autre solution. Pour être sûr de ne subir aucun dégât, bah vous vous atterrissez dans une zone safe où il n'y a personne, où il n'y a aucun adversaire. Et là, ce que vous faites, bah, c'est que vous avancez en sneaky. Voilà, vous vous lootez à des emplacements, donc dans des coffres et tout ça. Et dès que vous voyez un adversaire, bah là, boum, vous lui infligez des dégâts. Comme ça, bah, vous êtes sûr de ne pas prendre trop de risques. Ou alors, même si vous voyez un requin ou un loup ou un sanglier, normalement ça devrait fonctionner aussi contre eux. Donc n'hésitez pas à vous cacher en début de game, ne prenez aucun dégât et infligez des dégâts au sanglier ou au loup pour terminer le défi. Alors très important, il va falloir réaliser ce défi dans trois parties différentes. Donc vous allez devoir relancer trois parties pour réaliser ce défi. Donc là par exemple, bah, là j'aurais réussi une fois. Ce que je devrais faire, c'est relancer la partie pour refaire encore deux fois et terminer le défi et débloquer les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace.